Bonjour, it's Marianne, and today I am in Cherbourg. And many of you have asked me about hats. So today, I am taking you shopping with me for hats. Let's go! If you're new to my channel, a big welcome to you, and please click subscribe, and don't forget to click on the little bell for notifications. Thank you. Hello and welcome to this video, and today I'm in this wonderful hat shop in Cherbourg in Normandy, and I am with Madame Myriam Pignot, who's going to show me the hats that would fit me, but also some style that don't really suit me. But I think it's a good thing to show you what suits your face and also what does not suit your face. And Myriam has many years of experience, and she will give me many advice that I'm sure you will find very, very useful. Alors, bonjour Myriam. Bonjour. Et je voudrais chercher un chapeau qui m'aille, mais oui. Aussi je voudrais aussi essayer quelques chapeaux qui ne me vont pas. D'accord. Pour montrer un peu le genre de style qui vont à certaines personnes, mais aussi les styles qu'il faut peut-être éviter et les raisons pour lesquelles il faut éviter ou prendre. Telle ou telle forme, voilà. Pas de souci. Après, il faut aussi que vous sachiez si vous voulez quelque chose de très chaud, de moins chaud. Est-ce que c'est pour la pluie? Est-ce que c'est pour quelle saison, vraiment? Enfin, là, c'est plus l'hiver, mais pour avoir la matière que vous souhaitez également. Les couleurs, évidemment. Et puis, les formes, tout à fait. On va essayer tout ça. Donc, madame, j'aurais voulu trouver un chapeau qui m'aille. Oui. Et qui aille très bien avec ce manteau noir, et quelque chose qui m'aille avec la forme de mon visage. Oui. Et surtout, j'ai des cheveux courts, donc voilà. On va avoir bien chaud. Alors, on va commencer par mesurer votre tour de tête. Ça, bien. C'est le début. Parce que j'ai un tour de tête assez petit, assez et petit. J'ai du mal à trouver quelque chose. D'accord. Qui... D'accord. Donc, en sachant un peu le tour de tête, on le prend 1 cm au-dessus des oreilles et au milieu du front. Ouais, effectivement, on est un petit peu plus que 54, en sachant que beaucoup de chapeaux commencent au 55. Alors, on a des petites astuces. Après, je vous expliquerai, mais on a des petites astuces. Alors, quand vous me dites un chapeau, c'est plutôt quelque chose pour avoir chaud ou quelque chose pour être un petit peu habillé. Dans votre esprit, c'était plus quelque chose en feutre, un peu plus raide ou des choses plus souples. Alors, je pense que les choses plus souples ne me vont pas autant, mais je peux D'accord. peut-être essayer oui, aussi pour, montrer les différences. Et je pense que la fourrure aussi, il faudra que j'essaye, parce que D'accord. je sais que la fourrure me va très bien, j'en avais il y a quelques années. D'accord. Donc ça, ce serait vraiment très chaud. Alors là, on est sur un chapeau un peu cloche, de fabrication française. Moi, je pense que c'est une forme qui vous va très bien. Mais le miroir est ici. Alors, vous pouvez aussi le rabaisser un tout petit peu dans la nuque pour qu'il soit moins haut. Voilà. Je mets exactement. Mes oreilles. Exactement. Oui, et bien en plus, mes cheveux sont fins. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est très chic. Alors, il faut que je vois si j'ai effectivement le noir. Ça tient bien à la tête aussi. J'ai l'impression que oui. toute ma tête est bien couverte. Oui. Et les cloches, c'est à la mode en ce moment, les cloches. Voilà, ça revient beaucoup, les années 20, 30, c'est très tendance. Alors, celui-là, les bords sont rabaissés. On va voir si, par rapport au gris, vous vous sentez bien ou pas. Parce qu'il faut se sentir bien dans un chapeau, sinon on ne le met pas. Donc, celui-ci, on était bien. Alors, vous allez être décoiffé un petit peu, mais alors celui-là est grand. Ah oui. Mais il faudra, il y aura moyen de faire quelque chose. Donc pareil, vous pouvez remettre les oreilles à l'intérieur. Oh, il fait très habillé, très beau, très habillé. Mais voyez le noir, moi je trouve que c'est. Ouais.
Très très beau. C'est le feutre qui va de toute façon être le plus habillé par rapport au souple. Et quelles sont les couleurs qui se vendent le mieux, par exemple, dans les cloches? Le noir. Et sur tous les chapeaux, sur tous les chapeaux, c'est le noir. So, on all hats, the most popular, the most favorite color worn is black. Ouais. Moins pour les personnes un petit peu plus âgées qui veulent effectivement, par contre, elles mettent de la couleur. D'accord. Oui. Et plus confortable. Celui-là aussi. Par rapport au teint aussi. Oui. Celui-là aussi, hein, on voit bien. Mais oui. Très joli. Et ça se porte donc... Un petit peu penché. Un petit peu penché et assez bas sur le visage. Voilà, normalement, c'est sur un sourcil. Penché sur un des sourcils. Tout ça, ça vaut bien. Très joli. I think all the hats so far really suited me, and it's always such a good idea to go into the bespoke shop so that the sales assistant really know their stuff, and they really advise you on not only, you know, they measure your head, but also advise you on how to wear that particular style. Mais on est entre le fedora, beaucoup de femmes prennent des chapeaux hommes aussi, en fedora comme ça. Et ils arrivent à trouver leur taille? Oui. Ah oui. Ouais, c'est trop grand. Ah ouais, ouais. Mais voilà, ça fait... C'est pas du tout la même chose. Comment on le porte alors, celui-là, un peu... On peut le porter soit droit, soit toujours un petit peu penché, mais droit, le fedora, il est pas mal. Il est beau, il a une belle forme aussi. Voilà, hein. C'est ça. Ouais. Et puis le petit galon un petit peu brillant donne tout de suite du peps au noir. Voilà, ouais. Alors, il taille peut-être un peu plus petit. Là, pour le coup, on est sur quelque chose de très flashy, mais ouais, voilà, un peu grand, mais sinon, celui-ci. Je dirais qu'on ne va pas trop le pencher. Pas trop penché. Non, 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 il va rester comme ça. Celui-ci est très beau, mais je n'ai plus votre taille. Mais ça va être grand. Hop, à l'oreille. Non, j'ai des grandes oreilles. Non, mais je suis pareil. Hein. Après, c'est... Ouais. Voilà. Et chapeau a l'air de tenir bien. Tenir quand même. Ouais, ouais. Donc il suffirait un peu plus, là. Voilà. J'aime vraiment bien la couleur. Oui, oui. Ouais, ça donne très bien. Donc en fait, quand c'est un petit peu grand, vous avez un biais à l'intérieur, là, et il suffit, voyez, de faire une petite pince. Et ça se voit pas sur l'extérieur. Donc vous faites ça dans le magasin ou... Voilà, si la personne a une petite course à faire, on lui fait rapidement. Ah, sinon, j'ai des clients qui me disent bah non, on s'en va. Qui partent, je leur mets des épingles et puis ils partent avec et ils le font chez eux. Celui-là, il faudrait essayer avec une petite pince. Oui. Joli aussi. Est-ce que je pourrais renseigner? I love this hat. Connaissez-vous le tour de tête? 56, c'est fait dedans. Chez Gottman, 56. Jim, I really like the pop of color, that fuchsia pop of color. And, you know, it really gives a pop to the outfit, but also the face, you know, the color, just the eye just goes straight to your face. So not even, you know, you can even wear a scarf the same color, you know, the dark and the black or the gray. But, you know, the eye would, you know, would be attracted to your face, and definitely... That is really beautiful hat. I really love this one, but unfortunately, it's much bigger to the head. J'ai toujours pensé que le béret n'était pas, ça ne m'allait pas trop. Ah, notre chapeau qui est trop petit. Non, pas trop petit, mais voilà. Alors, on a deux solutions. Là, vous avez les bords qui sont à l'intérieur, et effectivement, je trouve que ça vous
il y a pas de volume, il y a pas assez de volume pour vous. Mais on peut le mettre à l'extérieur. Alors vous allez le trouver un peu plus grand. Et là, c'est complètement différent. Bon, on est pas arrivé. Ça se fait beaucoup le BRS cette année. Énormément. Une très grosse vente. C'est joli, hein ? Alors, celle-ci. Tout le monde pense que le béret est vraiment typiquement français. Oui, donc c'est les Françaises vrai. Mettent des bérets tout le temps, toute l'année, ou seulement maintenant, en ce moment, parce que c'est plus de la mode ou... Non, alors ça va plus être l'hiver, parce que c'est vrai que l'été, c'est toujours de la laine feutrée, donc c'est plus épais. Mm-hmm. On en a au coton, mais beaucoup moins. Et je dirais que oui, moi, ça fait 6 ans que j'ai le magasin, et j'ai toujours vendu du béret l'hiver. Tout le temps. Que ce soit, j'ai encore une dame hier qui m'en a acheté un pour sa fille qui a 15 ans, à la personne qui a 80 ans et qui est habituée à mettre son béret et qui ne change pas et qui va toujours prendre des bérets. D'accord. De toutes les couleurs. Le moutarde a très bien marché l'année dernière, un petit peu moins cette année, mais encore. Tout ce qui est gris, dans toutes les déclinaisons des gris, mais aussi le vert, le fuchsia, le rouge. Le rouge, ah oui, beaucoup. Le rouge. L'écru aussi. D'accord. Très joli aussi en écru. Donc, non, vraiment, vraiment toutes les couleurs. Hein. Mmh. Un peu moins le orange, par exemple, mais j'en vends quand même. Mmh. Donc, voilà, c'est vraiment des chapeaux qui vont être traités téflon. Donc là, c'est vraiment pour la pluie. Vous allez avoir les Stetson qui vont être Vitafeld. Donc, qui sont... Voilà, vraiment pour la pluie, traité anti-pluie. Je dirais que tous les chapeaux en laine, une pluie fine, on ne va pas être dérangé. Par contre, il faut les laisser sécher tranquillement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les sécher au sèche-cheveux ou sur un radiateur ou près de la cheminée parce que sinon, hop, ça rétrécit encore plus. D'accord. Donc, il faut vraiment voilà, les laisser tranquilles. Donc, tout ça, chapeau homme. Voilà, et les chapeaux hommes se vendent bien, alors. Donc, aussi bien pour la femme. Alors, autant les hommes ne vont pas aller par là que les femmes vont aller par là. Alors, ça, c'est intéressant. Bon. Oui. Et leur couleur, ils vont préférer le noir Gris, noir, le marron aussi. Honnêtement, toujours un peu plus le gris, le noir, mais j'ai un peu de tout. C'est... un coustillère, donc vous voyez, là on est un peu trop petit. Oui. Pour une fois. Alors ça. C'est pas. Ouf. Il est beau. Alors ça c'est un français, c'est coustillère qui vous l'a fait. Alors ce que j'aime bien dans celui-là pour la femme, c'est qu'il est pas trop haut là. D'accord. Oui. Parce que beaucoup de fedora vont quand même être assez haut. Assez haut, oui. En fait, vous allez le mettre en cône. Vous allez au cinéma, vous allez au restaurant. Hop, vous pouvez le mettre en cône dans la poche. Voilà. Pas quand il est mouillé. Faut pas le laisser non plus tout l'été comme ça. Occasionnellement, on va dire. Voilà. Et ça reprend sa forme. D'accord. Les bords sont un peu plus grands. Et là, vous voyez, je trouve que ça vous mange le visage. Parce que j'ai un visage assez fin. Assez fin. D'accord. Oui. Oui. Plutôt dans une housse ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas non plus... Moi, les miens, j'ai un arbre à chapeau. Je les mets sur mon arbre à chapeau et ils restent comme un ça arbre toute à chapeau. L'année. Peut-être un peu moins, mais ces deux-là, ouais. Faut que t'étais les mieux. Ça me donne des cheveux aussi. Voilà. T'as l'illusion d'avoir beaucoup de cheveux. Oui. Avec les caches-oreilles, c'est un petit peu différent. Hein. En look, c'est... Oui. Et déjà là, les oreilles sont déjà plus légères. Oui. Ouais. Ah, celui-là, un peu plus large. Un peu plus large. Et un peu plus volumineux aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors, il se met plutôt en haut comme ça ou plutôt sur le bas ou vers les sourcils, pensez-vous ? Non, je pense qu'il faut là de se faire dégager un peu le visage. On appelle ça topeka ? Un topeka ou... Nous, on appelle ça de la toque avec top. Fourrure. Oui, voilà. D'accord. Ah oui. Il est plus petit ? Plus petit, oui. Mmh. Voilà, par contre, avec les crues, c'est vrai que... Oui, ça irait peut mieux. Être très joli. Ouais. Mais j'aime moins avec ma... Oui, coloré, c'est de, oui c'est avec votre teint. Et ça se lave bien comme avec de l'eau froide et... Oui, voilà, apparemment. Myrlène. Il n'y a pas de...
Bon, oui. Moi, je préconise toujours du lavage à sec. Hein. Lavage à sec, c'est d'accord. C'est mieux. Si. Alors, celle-là, comme un peu comme un bonnet, alors celle-là. Voilà. Oui, elle est différente. Hein, oui. Complètement différente. Ah ouais. Mais je crois que ça meuble. Oui, voilà. Non, ça, l'autre vous va beaucoup mieux. Oui. C'est trop haut. Trop haut. Ouais. Ouais, ouais. Petite tête. Voilà. Je vais passer quelques petits cheveux. Hop. Donc, c'est vraiment complètement autre chose. D'accord. Mais. Vous voyez la sensation, tout de suite on est au niveau des oreilles, très c'est très souple, ouais. Donc ça ne ça serre pas la tête, et c'est du polaire français, et pareil, fabrication française. Mais c'est comme un bonnet en fait, mais oui. C'est, c'est structuré, voilà. Ça fait quand même un peu plus habillé tout que, à fait. Le, que le bonnet en fait. Ouais. Ça j'en vends beaucoup, vraiment beaucoup. Ouais. Vous voyez, en couleur, on a rouge écru, gris, marron, orange, bleu ciel, bleu canard, bordeaux. Et quelles sont les couleurs qui se vendent le mieux dans ceux-là? Alors, dans ceux-là, je vais tout vendre. Je n'ai pas de fuchsia dans celui-là. Oui, dommage. Ah oh, oui, il est joli. Ouais. Je crois qu'il donne mieux en couleur. Oui, ouais. Oui, oui, vous avez raison. Oui. Ça, vraiment, ça tient chaud, ça me tient la tête. Oui. Ouais. Il y en a trop, trop de volume. Ouais. Ouais. Ah oui, oui. Oui, oui, ça ne va pas. Ça va pas du tout. Il faut toujours essayer. Parce que il suffit que le menton soit un centimètre de plus, ou le front soit un petit peu plus partant en arrière, ou ça ne va pas tenir. Voilà. Donc, il y a des codes, mais il faut les essayer. Ouais. Donc, pour diminuer le tour de tête, on a deux solutions. Soit mettre une petite épingle sur le biais, on fait une petite patte, soit voilà, on colle. Donc ça c'est fourni hein, par les fournisseurs souvent. Ce sont des bandes hein, de mousse collante. D'accord. Et ça rétrécit le tour de tête. Et ça rétrécit le tour de tête et ça ne se voit pas à l'extérieur. Chapeau à mettre hors du vent. Hors vent. Hors ouais, vent. Ouais. Mais il me va très bien. Voilà. Mais oui, il reste en haut. En fait. Ouais, il reste pas bien d'autre. Ouais, ouais. On dirait presque celui-ci, le entre ça et la cloche oui, un peu. Oui. Ouais. Tu aimes bien celui-là? Je sais pas, je pensais un peu moins, mais je l'aime bien maintenant oui. que je l'ai. C'est mignon, le petit détail. C'est ce pin de Lady Poutine. Comme ça. Comment vous vous sentez dedans? Très bien. Oui. Très bien, fort, très confortable. Il ne serre pas ma tête. Oui. Donc, ouais. C'est chic et en même temps, c'est pas trop pas trop trop habillé quoi. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, si c'est un peu trop habillé, on se dit je vais pas le mettre voilà. Parce que bon, je vais seulement au supermarché ou acheter ma baguette. Exactement. Oui, donc je pense que quand on met un chapeau, quelque chose comme ça ou celui-ci avec la celui-ci. Pluie, ouais. Il faut la confiance en soi parce que bon, les Français sont plutôt discrètes et peut-être un petit peu, peut-être pas timides, mais je veux dire que on n'aime peut-être pas trop que tout le monde nous regarde. Voilà, exactement. Ouais. Surtout dans les petites villes. Ouais. Et j'ai beaucoup de clientes qui, effectivement, vont me dire « Ah non, pas à Cherbourg, tout le monde va me regarder. Mmh. » Et c'est vrai que ça, c'est... Mais même moi qui suis dans la profession, j'ai du mal hein, à assumer ce genre-là. C'est quand même assez particulier. Quoi. Ouais. Mais voilà, après, mais vous avez raison. C'est la confiance en soi, d'assumer la chose et... J'ai une cliente qui m'en a acheté un Bordeaux, ben, le même que celui-là en Bordeaux, ça lui va, mais à ravir. Elle est plus jeune, parce qu'elle a une trentaine d'années, mais franchement, elle a le look et l'exubérance, elle s'en moque. Voilà. Donc, c'est ça. C'est bien, ouais, voilà, il va falloir une attitude comme ça. Et aussi, une fois qu'on commence à porter le chapeau, c'est une habitude aussi. Complètement. On a l'habitude, et puis bon, voilà, on porte un chapeau, Oui, oui. Celui-là, c'est comme ça un peu sur le... Un peu moins celui-là. Un peu moins. Il va se mettre un petit peu plus droit. Parce que ça fait une différence. Hein, parce que si on essaie des chapeaux, on ne sait pas comment les mettre. Oui.
Plus droit, donc oui, celui-là. Celui-là plus droit, je pense. Et pourquoi j'ai plus droit? Parce que les bords sont moins grands et retombent bien. D'accord. Et il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit trop en l'air. Ça, vous voyez, quand ils font les chapeaux comme ça, celui-là aussi, on va le porter un peu plus droit parce qu'il a déjà cette forme qui part. Donc, si vous le mettez trop, il y a quelque chose qui est déjà structuré. Donc, ça fait trop, un peu trop. D'accord. Donc, s'il a des bords droits, on peut le faire. On peut, voilà, un peu plus. Donc, celui-là a des bords droits, mais ça dépend aussi de la physionomie de la personne. Mais celui-là, je trouve que droit, il est plus joli. Vous voyez, dans les bérets, vous avez aussi des laines un peu plus souples. Et le rendu n'est pas du tout le même. Ouais. Il fait moins béret, en fait. Oui, complètement. Ouais, ouais. Ça fait un peu plus bonnet, un peu... Mmh. Ça, c'est très confortable aussi. Mais ça vous va bien aussi. Voilà, moi, c'est plus ça que je porte. D'accord. Oui, ben ça se voit que ça vous va bien. Voilà. So I hope you enjoy this video and all the great advice from Myriam. Myriam, merci beaucoup. C'est gentil. Et please put your comment below this video. Which hats you prefer? Which color you preferred? Which kind of hats you like to wear? And also, you know, everything you want to know about hats. Thank you very much for watching. This. So I've just been shopping here in the shop Déclic for three hats. Actually bought three hats. So this beautiful black one and a grey fur one and a bright fuchsia. So I hope you liked it and I hope you enjoyed the video.